Il y a un paradoxe dans les professions libérales qui sont généralement des professions estimées dans le médical, dans le juridique, c'est que ils ont à traiter des choses qui ne sont pas très raboutantes. À côté de mon local, il y a une pédicure, et je me dis quel genre de boulot il y a. Les dentistes aussi, ce n'est pas forcément génial, mais les avocats, ils doivent écouter aussi des choses qui ne sont pas très excitantes. Donc on a un paradoxe avec des professions qui sont relativement gratifiantes sur le plan financier, sur le plan social, mais où les gens passent leur temps à patauger dans la merde, si on peut dire, à la fois physique et morale. Profession qui s'occupe des misères physiques et morales des populations. Et on tresse des lauriers, des couronnes, du point de vue socio-économique, à cette population de profession libérale ou de care, etc. Et qui sont, en fin de compte, qui s'occupent de la lie de la société, de la lie de l'humanité, quand une humanité malade, une humanité criminelle. Et il y a là un paradoxe intéressant que je voulais vous signaler et qui demande à être approfondi.